trop nul ce cours. Ah oh ouais, c'était trop nul. Hein. Franchement, j'en ai marre, les mathématiques, là, je comprends rien. 1 plus 1 égale 11, c'est bon, mais c'est oui, trop c'est difficile. Hein. Quoi, et c'est difficile de ouf. Ah, bon, bon. Du coup, ben, cet après-midi, après le goûter, ça te dirait de venir faire du vélo avec moi? Du vélo, mais c'est trop cool, du vélo. Bah ouais, faut que je mange le goûter et tout. Et puis, je vais demander à mon père et bah, il t'appelle comme ça, je te dis s'il est d'accord pour aller faire du vélo. Ok, pas de problème. D'accord, bah tu sais quoi, moi je vais aller manger un gros goûter là, je vais prendre des croissants au Nutella, c'est trop bon. Ouais. Avec du Coca-Cola, si je l'ai pas dit la dernière fois à mon père, mais mon père il cache des canettes de Coca dans sa buanderie là, et moi à chaque fois je lui pique des canettes de Coca, il remarque jamais. Ah bon, bah moi c'est pareil. Sauf que il fait pareil. Ils mettent plutôt dans le frigo. Et la dernière fois, j'ai pris aussi un truc dans la buanderie à boire. C'était une canette. Il y avait marqué, je crois, bière dessus, un truc comme ça, mais c'était dégueulasse. Berk. Ah ouais. Ouais, parce en que plus, c'était, moi, mais... j'avais pris et il y avait un taureau dessus. Ça m'a fait peur et je me suis dit, ok, allez, je suis une délinquante. Je prends j'ai tout craché sur la robe de mari de ma mère et je suis partie par la fenêtre. Et alors après, ben, je suis revenue le soir et j'ai dit qu'en fait, les courses, ça finissait plus tard que prévu. Et ma mère, elle m'a jamais enculée. Elle m'a pas cramée. Elle a cru que c'était le chat qui avait fait caca. T'es trop forte. Bon, allez, moi, je rentre à la maison, je vais prendre le goûter. Hein. Ah ouais, clairement. Ouais. Et je t'appelle, d'accord? Pour te dire si je peux sortir. Et à tout à l'heure! D'accord. À tout à l'heure! Salut papa! Ah, salut ma chérie. Tu vois, je peux après le goûter, aller faire du vélo avec Mélissa, s'il te plaît? Non. Mais pourquoi papa? Moi je veux faire du vélo. Oh, commence pas à crier, tu me fais mal à la tête. Tu pourras pas faire du vélo parce que je dois aller faire les courses. Et en plus je crois que ta mère a oublié les clés de la maison. Du coup il faut que tu restes là pour pouvoir l'accueillir et pour avoir une personne dans cette maison. Voilà, du coup non, tu pourras pas aller faire du vélo. J'ai besoin de toi ici. Oh mais c'est trop nul. Et tu veux acheter quoi aux courses? Ben je sais pas là, c'est bizarre parce que la dernière fois j'avais acheté des canettes de bière, ils ont disparu, du coup il faut que j'aille en acheter un petit peu de nourriture aussi. Et est-ce que tu veux que je te prenne quelque chose? Ouais, j'aimerais bien que tu m'achètes un pop-it. Un pop-it? C'est quoi ça? C'est pas les trucs sur les ordinateurs, les pop-up? Oh non, c'est pas ça. En fait, c'est un truc comme du papier bulle, en fait. Et tu appuies sur les petits boutons, là. Et c'est trop bien. C'est tout coloré. Ouais, je vais voir pour t'en acheter. Et aussi, bah, pendant que t'es là, c'est bien. Tu pourras faire tes devoirs comme ça. Ouais, je vais faire... Bah, tant pis, je ferai mes devoirs. Mais c'est trop nul, les devoirs. Bah, c'est bien. C'est ça qui te permettra d'avoir un boulot un jour. Moi, je veux pas travailler, je veux devenir chanteuse, moi, d'abord. Mais tu sais même pas chanter. Ouais, je vais apprendre. Tu crois qu'en moi et ta mère, t'entends chanter sous la douche, c'est un supplice pour nous, hein? Mais si, je crois pas trop. Et si je fais du rap? Si je fais du rap, j'ai pas besoin de chanter. Je ferais yo, yo, ouais. Yo. C'est crois-le. Crois-le, tu viendras de rappeuse. Crois-le. D'accord, bah, j'y crois très fort. Serait comme Lil Peep. Ouais, Lil Peep qui est mort. Et 50 Cent, il est pas mort 50 Cent. Ouais, mais il est coproducteur de quelqu'un qui est mort. Bah, j'irai remplacer la personne morte et puis je vais travailler avec lui et je vais devenir une superstar. Ah bah, j'espère que tu sais faire de la drill parce que c'est Pop Smoke. Ouais, c'est pas ce que c'est, mais ouais, c'est trop le faire ça. Ok, bah bonne chance ma fille. Moi je préfère la musique country comme j'ai tout le temps dit. Du coup il faut faire comme Miley Cyrus dans la vie. Ouais mais la country c'est trop nul, c'est un truc de vieux ça. Mais non c'est bien, Miley Cyrus elle est connue maintenant. Même qu'elle a son plus grand fan c'est un bulldozer.
Bah ouais, mais Miley Cyrus, c'était Hannah Montana d'abord. Et moi, je la regardais sur Disney Plus Channel. Bah ouais, j'aime bien parce que quand t'étais petite, tu nous obligeais à regarder ça, alors que je voulais pas regarder ça. Et c'est à cause d'elle que je vais devenir chanteuse maintenant. Bah c'est bien, on va dire que je te soutiens à moitié dans ton projet. Si un jour je vois que ça commence à marcher, je vais te soutenir à 100%. Bon, du coup, je vais aller faire les courses et je vais prendre tes pop-pop là, les Les pop-its. pop-it, papa, les pop-it. Ouais, les pop-its, il n'y avait pas ça de à mon époque. Bon, du coup, je vais acheter tout ça. Allez, ciao, ciao. À plus tard, papa. À plus tard. Aller faire mes devoirs, moi. Trop nul, je vais pas faire les devoirs. En plus, j'ai pas de devoirs, moi. Ah, papa, il est parti en voiture. D'accord. Mais j'ai même pas de devoirs à faire. Au pire, ce que je fais, ils appellent Mélissa pour lui demander de venir quand même. Et je fais du vélo, mais pas très loin de la maison. Comme ça, si maman elle arrive, je la verrai arriver et je pourrais venir lui ouvrir la porte. C'est pas grave. De toute façon, si je rentre avant que papa y rentre. Et il n'y a pas besoin de savoir ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais appeler Mélissa. Appuie son numéro de téléphone. Ouais, allô Mélissa! Ah, allô Lily? Ouais, normalement j'ai pas le droit de sortir. Mon papa il veut pas. Je sais pas pourquoi, il est trop bizarre. Mais c'est pas grave parce que je vais sortir quand même. De toute façon, j'ai pas de devoir donc je m'en fous. Donc Ouah, si tu t'es trop veux. une thug. Ah ouais, non, mais là je suis trop une Nous, on délinquante. est des thugs. Ah ouais, future rappeuse de la street. Mais ouais, moi je voudrais être rappeuse avec toi de toute façon. On sera le groupe de rappeuses les plus connus du monde. C'est ça. Bah, du coup, tu viens me chercher en vélo, comme ça je prépare mon vélo et tout ça en attendant. Et Ok, on se rejoint. pas de soucis. Bon, alors bouge pas, j'arrive. Ça marche, à tout de suite. À toutes. Et voilà, je vais chercher mon vélo. A few moments later. Là là. Ah, coucou Lily. Hey! On va aller faire un Alors. tour avant qu'il fasse nuit, hein. Ouais, bah il fait déjà un peu nuit, mais c'est pas grave. De toute façon, puisqu'on est été, il fait le temps, il. Ouais, Enfin, t'inquiète. non. Je sais pas si c'est en hiver. Bon, pas grave, on y va quand même, on On est y deux. va. Ouais, c'est trop bien. En plus, on est trop des thugs là. Ouais, on est des Regarde, on roule thugs, sur on la est des route et thugs. tout. Oh, moi, Ouais, je. si ça se trouve, on va se faire écraser, mais c'est pas grave. Enfin, c'est T'inquiète. grave, mais t'inquiète, moi j'ai des yeux à l'arrière de la Hyper tête, donc je sonique peux et voir. tout. Bah, Super attends. Saiyan. C'est trop bizarre parce que t'as vu sur le parking, il n'y a pas la voiture de mon père. Il était censé aller Ah ouais, faire les j'avoue. courses. T'as vu? C'est Bah, trop peut-être qu'il est bizarre. allé à pied, il voulait faire un exercice. Mais attends, il est peut-être déjà rentré? Oh! Attends, vite, je vais prendre. Vite! Il y a un raccourci par là, viens. On Ok, va. Je on vais y va, on essayer. y va. Avec un peu de chance, je vais peut-être arriver avant lui. Allez, c'est la chance du débutant. Enfin, on n'est pas débutant, on est des pros, mais c'est pas grave, on y va quand même. Ah, mais attends. Regarde, c'est pas ça, c'est pas. C'est la voiture de Mais mon si, père là. c'est la voiture de ton père, ça, la 4x4 là. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il m'a pas dit qu'il allait Attends, manger au resto. viens, on fait genre, on est des inspecteurs Gadget, on regarde un peu. Attends. On roule C'est ta mère, doucement. elle? Attends, je vais aller voir. Je me cache derrière la voiture. C'est pas ta mère, elle? Ou c'est ta mère Bah des non, c'est amis? pas ma mère. C'est qui celle-là? Bah Oh, attends. C'est mais sois trop. discrète, là. Ils vont nous voir, sinon. T'inquiète, je suis caché derrière la voiture là. Mais attends, c'est. Il m'a pas dit qu'il allait manger au resto. Il m'a pas dit qu'il allait voir quelqu'un non plus. Il m'a dit qu'il allait au magasin. Il est trop bizarre, lui. Mais peut-être qu'il a fini. On sait pas. Bah, c'est bizarre quand même, parce que bon, il aurait fait vite fait les courses quand même, parce que moi j'ai à peine eu le temps de venir me chercher que il est déjà là. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre ça. Mais tu penses que c'est qui? Bah, je sais pas, mais t'inquiète, il faut pas s'en faire. Si ça se trouve, c'est une collègue du travail qui l'a rencontrée sur le chemin et ils ont voulu discuter un peu. Tu penses? Ouais, c'est peut-être ça. C'est sûrement Oh! ça, ouais. Attends, bougez vite, il faut qu'on parte. Vite! Ah là là. Oh, maman mia. Allez, on Bon, rentre. allez, t'inquiète pas, je suis sûre que c'est une de ses collègues. Bah, de toute façon, Ça doit sûrement pas être bien grave.
Je vais lui demander, de toute façon, au pire, on verra bien. Non, je peux pas lui demander parce que si tu lui demandes, sinon il va savoir. Bah ouais, il va au savoir pire, que je suis pas à la maison. T'inquiète, tu lui dis que t'as une amie voyante qui a vu, et tu dis si t'as amie voyante, elle dit la vérité. Et s'il ment, et bah ça veut dire. On sait pas, mais ça veut dire qu'il ment. Ouais, bah c'est pas grave. De toute façon, moi, tant qu'il me ramène mon papier, c'est bien. Dis pas que c'est toi. Tu dis pas que c'est toi qui a vu. Tu dis que c'est une autre personne ou quelque chose. Je dirais que c'était toi. Ok, ouais, voilà, tu dis que c'est moi. Ok, bon bah tant pis, hein. Bah je vais essayer de faire des devoirs, même si j'ai pas vraiment de devoirs à faire. Et de toute façon, on se voit demain à l'école, hein. Ok. Hop, à demain. À demain. Et je rentre mon vélo. Hop. Et au garage. A few moments later. Ouais, j'ai trop bien le livre. Ah, oh, mon dos. Ah, tu marches, j'en ai marre. Ah, bah t'es là, papa. Ah, bah t'es là, toi. Ouais, bah comme tu vois, j'ai fini mes devoirs. Ah bah c'est bien ça. T'as ramené mon pop-it? C'est quoi, pop-it? Mais le pop-it, je t'ai dit d'acheter au magasin, le pop-it. Ah oui, magasin, pop-it. Ouais. Ah bah en fait, il faut savoir que j'ai oublié mon porte-monnaie et que cette ville, c'est une dictature. Quand tu rentres, par exemple, dans la supérette sans porte-monnaie, tout simplement, on te met dehors, t'as pas le droit de rentrer. Et du coup, t'inquiète pas, demain, je t'achèterai ton pop-it, bien entendu. Mais monsieur, mon pop-it, mais attends, mais du coup, t'as fait quoi pendant tout ce temps, là? Tu faisais les courses, mais t'as pas pu les acheter, c'est ça? Pendant tout ce temps, les courses, ouais. Après, je suis parti voir 2-3 petits trucs pour la maison et tout. Parce qu'on a besoin de rénover tout ça, quoi. Je suis, voilà, tranquillou. Ok, d'accord. Bon. Mm-hmm. Ouais, je suis fatigué, du coup, je vais aller dormir, moi. Ouais, va dormir parce que là je pense que ta mère va pas rentrer ce soir et demain serait bien que tu te lèves tôt, jeune fille, parce que tous les jours tu fais la grasse mat et que tu vas en retard à l'école. Je viens de recevoir les papiers de l'école. Oh. Ah bah attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle en haut. À demain, papa. ouais, c'est ça, à demain. Ah là là, je vais me faire engueuler parce que je dors trop maintenant. Je vais dormir. Salut Mélissa. Ah, coucou Lily. Ouais. Alors, comment ça s'est passé hier? Pas fameux, hein. Je suis rentrée et tout. J'ai attendu que mon père y rentre. Et quand il est rentré, j'avais demandé s'il avait acheté mon pop-it, hein, s'il avait fait des courses. Et il m'a dit que non, parce qu'il avait oublié son portefeuille et qu'il avait pas pu payer à la caisse. Et du coup, il a pas pu acheter les courses. Et c'est trop bizarre parce qu'il m'a pas dit qu'il a été manger au resto avec une autre femme. Mais c'est bizarre ça, c'est vrai. Tu peux imaginer, il te ment. Il me ment parce que vrai, il a jamais été au magasin. Mais il reste à savoir pourquoi. Bah ouais, et en plus, je suis sûre que j'ai vu que son portefeuille il était dans sa poche. Parce que sa poche, elle était enflée comme d'habitude quand il met son portefeuille dedans. C'est vrai, c'est bizarre. Si tu veux, alors on va espionner après les pours. Ah, t'as raison. Pour être sûr. Parce qu'en plus, il m'a dit qu'il allait acheter mes pop-it aujourd'hui. Donc, techniquement, après son travail, il est censé aller au magasin pour acheter mon pop-it. Ouais, ok, on va faire ça. Et après, on verra sur place, on se met en incognito et on espionne. Là, c'est une très bonne idée. Ok, faudra juste qu'on aille chercher nos vélos parce que sinon, on n'arrivera jamais à suivre. Moi, c'est les cigarettes là-bas. Hein. Ok, je monterai sur ton vélo et puis on ira chercher le mien après. Hein. D'accord. Okay. Ok, ça marche. Bon, ça sonne. Oh, j'ai trop pas envie d'aller en cours. Moi, le prof, il pue le vomi à chaque fois qu'il parle. En plus, moi, j'ai même pas fait mon devoir, j'ai oublié. Ah ouais, je te donnerai le mien si tu veux, t'as qu'à copier vite fait en cours. Oh, merci, t'es trop gentil, t'es la meilleure des copines. Eh ouais, je sais. Allez, viens.
C'est bon, j'ai récupéré mon vélo, on peut ouais. aller au travail de mon père, on va se casser bien et tout. Ok, oh, c'est parti. J'ai trop l'impression d'être dans un film de James Bond. Mais moi aussi, trop. Plus tard, je pourrais le mettre dans mes raps et tout, je dirais, ouais, moi Lily, j'ai surveillé mon daron. Mon daddy. Mon daddy. Là, il y a sa voiture. Viens, il faut qu'on se casse derrière ici, là, derrière le mur. Ouais. On doit être incognito. Voilà. Hop, comme ça, je surveille du coin. C'est bon. On attend qu'il sorte du travail. Normalement, il devrait pas tarder à sortir. Mais là. Peut-être qu'il va voir notre roue de vélo. Mais non, t'inquiète pas. Regarde, il est sorti. Ah, regarde, il est. Téléphone. Il va dans sa voiture là. Non, il va m'appeler. Mais non, c'est pas moi qui l'appelle. Regarde, mon téléphone, c'est pas moi qui m'appelle. Oh, il doit peut-être appeler maman. Ton téléphone, il est cassé en ce moment. Ah bah non, c'est parce que t'as pas. Il est en train de partir. Pédale! Vite, il faut qu'il pédale! Vite! Ah! Pédale! Ouais. Vite! Ah, c'est rouge, c'est pas grave! Ton grille-feu! On est des délinquantes! Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'aime trop l'adrénaline, c'est trop bien! Adrénaline, un chieur là! Il est monté, attends, il rentre à la maison. Il rentre peut-être à la maison, juste, hein. Ça se fait, je me suis fait des idées pour rien. Oh, attends. Faut se casser. Mais il a tourné à droite, viens. Oh, il a tourné à droite. Maison, là. C'est pas ma maison. Regardez, il va là. Il va où? Vite, cache-toi derrière, là. Mais c'est qui? C'est la même dame. C'est la dame de la dernière fois. Oh oui, c'est la dame... Non, reste caché. Pas qu'il nous voit, t'inquiète, il va pas nous voir là. Bon bah, ton père se croyait un peu aveugle, mais c'est pas grave, autant mieux. T'inquiète. Vite. Il va où du coup? Il a pris la dame? Ah, c'est bon. Il l'a mis en otage. Mais non. Mais non, c'est elle qui est rentrée. Fois, au restaurant. C'est la même qu'au restaurant, c'est trop bizarre. Ouais, elle a les mêmes cheveux. Moi j'y analyse trop les gens, elles ont reconnu. Bah ouais, t'es trop forte, mais pourquoi c'est sa collègue du travail? Mais ils vont pas au travail là. Mais ils vont où? Ils se dirigent vers le motel. C'est là où vous avez été aux vacances. Ils vont peut-être au resto, hein. Regarde. Non, regarde. Ah non, ah si, bah, le resto, il est à côté. Non, regarde, non. Ils vont au motel. Et pourquoi ils vont au motel? Mais je sais pas. Attends, on va se casser derrière les buts, reviens vite. On est déjà incognito. Descends du vélo. Moi aussi. Laisse le vélo ici. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils vont au motel. Regarde, ils vont dans une chambre d'hôtel. Viens, on va longer le mur, viens vite. On va longer le mur. Faut que je. Faut. Mets-toi accroupi, on sait jamais. Ouais. Ok, il faut y aller très doucement pour pas qu'ils nous entendent. Ah, c'était pas cette chambre-là. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas celle-là. Non. C'est celle-là, regarde. Ah oui, c'est celle-là. Ouvert. Regarde. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il a des fleurs? Regarde, il a des fleurs. Pour elle ou quoi? Et pourquoi il a pas son t-shirt, mon papa? Ils sont en train de s'embrasser. Regarde, ils s'embrassent. Ils sont... Qu'est-ce qui? Ils sont en train de s'embrasser. Oh my god, il a des fleurs, Vite. Parce que j'ai envie de m'exprimer là, j'ai envie de hurler, mais je peux pas, sinon il va m'entendre. Moi aussi. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce qu'on vient de voir là? J'espère que c'est un rêve quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait, Lily? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Oh là là. Je sais pas, mais j'ai envie de me laver les yeux au savon là, il y avait de la bave partout. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Merde. C'était quoi ça? Il se lavait la bouche peut-être? Mais attends, attends, mon père il est en train de tromper ma mère, je crois. Mais c'est pas ta mère là, madame, quand même, on est d'accord. On est d'accord, c'est pas ma mère. Mais non, c'est pas ma mère. Les lavages de bouche, c'est avec les amoureux qu'on fait ça. Il a fait le truc avec la langue là, le bleu, C'est machine à laver. Ah oui, ils ont tourné les langues et tout, j'ai pas compris. Hein. Mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire? Mélissa, voilà. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Prends un coca pour te calmer.
Mais si je prends un coca, il va être surexcité. Après, ça va être encore pire. Mais t'as raison, je vais prendre un coca. C'est sûr, il faut... Mais c'est pas grave, ça détend quand même, on va dire. Oh là là. Ça va, ah oui, ça va me calmer. C'est comme mon les Dieu. Adultes. Oh mon Dieu. Oui, attends. Qu'est-ce qui Vite, il faut qu'on court, cours. Cours, prends les vélos derrière le buisson. Faut qu'on court, pas qu'il nous voit. Vite, vite. Allez, mon philo. Allez, Lily. Il est là, mon vélo, vite. Il faut que je rentre. On run. Oh, il entre, vite, passe pas par là. On fasse le tour. Ils nous ont pas vus. Vite, je vais prendre le raccourci pour rentrer avant lui, d'accord? Ok. On se voit demain, d'accord? Ok, tu me diras des nouvelles. Ça marche. Allez. A plus. A plus. Bon, moi, je prends le haut de chemin. D'accord. Bonne chance, Lily. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Bah tiens, il y a maman. Salut, maman. Coucou, ma puce. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air toute chamboulée. Bah parce que oui, je suis chamboulée, mais bon, faut que je vous parle à toi et à papa, en fait. Il faut que je vous parle en même temps. Et il devrait pas tarder, là. Ah, d'accord. Là. Il devrait arriver, là, je pense, parce que je l'ai vu, arriver presque à la maison. Oh, bah tiens, il est là. Il arrive. Et maman, il faut que tu sois forte, d'accord? Oui, oui, ma puce. Il faut que tu sois forte et courageuse quand je vais t'annoncer ce que j'ai à dire. Mais... Bah, c'est où, papa? Il a mis la voiture dans le garage? Ah, papa! Papa? Je crois que t'as perdu ta langue, papa. Ah, salut tout le monde, c'est David Laforge. Ah oui, je suis un peu fatigué. Assis-toi, papa, faut que je te parle. Quoi? Ah, tu chantes du jam, c'est ça? Bah, j'aimerais bien, mais bon, ils veulent quand même être. Bah, jam, elle est pas ouf, hein. Moi, je veux faire du meilleur rap que jam, hein. Ouais, assis-toi, faut que je te parle. Après, j'ai oublié les paroles. Il y avait un truc avec dans le noir. Mais bon, papa, faut que je te parle. C'est très, 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 très important. Il faut que tu t'assoies. Okay, je t'écoute attentivement. Écoutez-moi attentivement parce que c'est hyper, ultra important. Pour vous deux, faut que je vous parle. Parce qu'en fait, j'ai vu quelque chose tout à l'heure. Et hier soir aussi, il y avait un truc très méga louche de ouf. Fais papa, écoute-moi papa, c'est important ce que je vais dire. Oui, je t'écoute, j'envoyais un SMS, excuse-moi. Ouais. Attends, deux secondes, je réponds juste. Oh, tac, tac, voilà, c'est bon. C'est ça le problème, papa. Si tu envoies un message, mais c'est pas maman que t'envoie le message. Maman, je crois que papa, il te trompe. Hein? Oui, papa, il te trompe. Ah, mais tu savais pas. Quoi? Ah, mais on te l'avait pas annoncé, en fait. Moi et ton père... On est divorcés depuis 4 mois parce qu'on n'avait pas envie de te l'annoncer maintenant parce que ça risquait de gâcher toute ton année scolaire. Donc on a décidé de te le garder à la fin de l'année pour que tu te sentes bien, pour que tu comprennes. Attends, ça veut dire que papa il te trompe pas, vous êtes déjà plus ensemble? Non. Pas du tout. Ta mère t'a expliqué oui, bon c'est un peu pour ça que je l'ai quitté parce qu'elle a aucun tact pour expliquer des choses, mais en gros on a décidé oui de se séparer il y a 2-3 mois de cela parce qu'on s'entendait plus, et si on reste ensemble ça va pas être joli joli dans la maison, mais pour éviter que t'as des soucis scolaires et tout, et pour pas gâcher ta vie à toi, parce que nous la nôtre elle est déjà faite, notre vie, on a décidé de pas te dire jusqu'à que l'année se termine, mais vu que tu l'as découvert, vaut mieux te dire quoi. Et on s'en excuse aussi de pas t'annoncer tout ça avant, on voulait juste te protéger en fait, parce qu'on t'aime. Oh, bah écoutez, papa, maman, je suis quand même contente que vous me le disiez, mais il faut quand même que je vous dise un truc. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être ensemble parce que voilà, pour moi, moi je préfère que vous soyez heureux, même si c'est pas tous les deux ensemble, mais que vous soyez heureux individuellement. Et si vous voyez d'autres personnes, moi ça me dérange pas non plus. C'est pas grave. Le plus important, c'est que vous soyez heureux.
Moi, l'année scolaire, de toute façon, je la finirai. Je vais avoir, de toute façon, je vais être sur la meilleure, sur la number one de ma classe. Hein. J'espère bien, j'espère bien. Et je te dis ça en caressant ma barbe et en te regardant droitement dans les yeux. Ah d'accord, mes yeux, ils vous aiment, tu fais un câlin, papa, maman, ils vous aiment, je suis désolée d'avoir cru que vous vous trompiez, mais voilà, j'ai eu trop peur, je suis trop contente, je préfère limite de savoir ça que de penser que tu trompais maman, câlin, câlin, gros bisous, mouah. Ma chérie, tu le savais pas aussi, et du coup c'est logique de ta part. Et donc ça veut dire que la femme que t'as vue avec papa, ce sera ta belle-mère. Ce sera ma belle-mère. T'as vu au restaurant. Et elle est plus belle que ta mère parce que j'ai une barbe irrésistible, du coup j'attire toutes les femmes de ce monde. Bon, sinon la réunion de famille elle est terminée là. Ouais, là elle est terminée. Bon, je vais aller jouer avec. Okay. Tu m'as acheté le pop-it ? Oui, allô chérie ? Ah oui, je vais t'acheter ton pop-it, t'inquiète. Ah, tu l'as toujours pas acheté ? Va acheter mon pop-it ! Mon pop-it ! Oui, oui, je vais acheter, t'inquiète pas. Bon, je vais jouer avec mes autres pop-it. Ah. J'ai l'impression que mon père il m'abandonne déjà avec sa copine là. Bon, tu vas aller jouer avec mes pop-its.